reborn. Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous allons vous montrer des gens qui ont marié deux femmes. Quoi? Sérieux? Comment c'est possible? Comment ça se fait? Mes frères et sœurs, peut-être que vous n'êtes pas informés, peut-être que vous n'êtes pas au courant. Ça existe. Je ne sais pas comment les gens arrivent à faire ça. Ah! Mes frères et sœurs, regardez même ça. Mon Dieu! Les gens sont jolis. Et tellement ils sont jolis, ils ont décidé de se dépouser plusieurs femmes. Et le résultat est ici. Regardez maintenant, dites-moi mes frères et sœurs, à la place de cet homme, que feriez-vous? Dites-moi, est-ce que cette femme, est-ce que cet homme, est-ce qu'il aime les deux femmes au même titre? Bon, personne ne sait. Peut-être que oui, lui seul a la réponse. Mais vous pouvez juste voir ce qui se passe même ici. Regardez les femmes qui sont ici. Elles sont jolies. Et il a l'air heureux. Et la femme qu'elle a n'est pas tellement heureuse, on dirait. Bon, regardez la photo qu'elle a. Et on voit juste à côté, tranquille. Juste comme ça, on ne comprend pas. Et l'autre est là. Ah! Tu veux marier deux femmes. Est-ce que tu es sûr d'aimer les deux femmes au même titre? Est-ce que tu es sûr? Regardez même ici. Waouh! Les gens qui ont marié deux femmes. C'est un peu bizarre quand même. Ah, vraiment, moi je n'aimerais vraiment pas être à la place de ce gars. Waouh, ça a l'air beau. Certaines personnes vont dire que oh, c'est extraordinaire. On va faire plein à 3 ou à 2. Mais je ne sais pas comment vous calculez ça. Tout ça, des trucs inutiles. Et tout que ce sont des trucs même inutiles. Ah, c'est une chose hors du commun quand même. Regardez même ici. Une autre personne a épousé deux femmes. Et on a l'impression que les deux femmes semblent être heureuses ensemble. On a l'impression qu'elles sont un peu complices quand même. Quand vous regardez, c'est assez incroyable ici. Regardez même ici. Waouh! On peut dire même sans rien de nous tromper que ça sent la joie. Ça sent la joie. Regardez encore une autre personne qui a marié deux femmes. People marry two wives. What? Look at that, regardez ça. C'est vraiment étrange ici. Comme vous le voyez, c'est pas de la blague, mes frères et sœurs. Ce sont des choses qui existent. Et regardez, les femmes elles sont quand même jolies. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que peut-être c'est parce que le monsieur a l'argent. Donc on s'en fout. S'il veut qu'il marie 10 femmes, nous c'est l'argent qui nous intéresse. La vie par exemple, c'est ce que les gens disent ici, non? C'est ce que vous dites, c'est ce que vous dites. Ah, si vous, est-ce que vous êtes prêts? Ouais, ma soeur, est-ce que vous êtes prête à épouser un homme? Même si vous savez que cet homme a d'autres femmes, est-ce que vous êtes prête à l'épouser à cause de l'argent? L'amour est conditionnel. C'est là qu'on voit ça aujourd'hui. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et nous sommes juste là en train de vous montrer ce qui se passe réellement. Mais les femmes, elles sont belles quand même. Cet homme a l'air un peu âgé, mais ces femmes sont très jolies. Elles ont l'air d'être ses filles, n'est-ce pas? Mais c'est leur choix. On doit respecter leur choix, malheureusement. Voici d'autres femmes aussi qui ont épousé un homme. Et cet homme, waouh, c'est assez étonnant. C'est assez hors du commun. Bon, c'est que si, apparemment, il y a de tels mariages. Sont en train de se multiplier. Moi, ce n'est pas ce que je vous conseille. Il faut lire la parole de Dieu pour savoir ce qui se passe. Apparemment, il y a 4 femmes ici. 4 femmes, on dirait 4 personnes à marier. Sérieux? Attendez, 2 femmes ici. Il est là. 2 autres femmes là. Ou bien ce sont les mères à ces femmes là. Bon, je ne comprends pas. Restez dans la partie commentaire et dites-le moi. Waouh, regardez comment c'est chaud, c'est la même chose ici. Les gens sont en train d'épouser des femmes passées par là, moi je ne comprends pas. Et ça a l'air chaud, hein, ça a l'air chaud, ils organisent un show, ils ne nous invitent même pas. Ah, mes frères, regardez, est-ce que c'est même bien? Ils ne nous invitent même pas. Regardez même ici. Waouh, regardez encore là. Ah, toujours la même histoire. Vous voyez que, à un moment donné, on voit quand même qu'il y a une séparation entre les deux femmes. C'est comme ça, l'image présente un truc du genre l'homme aime une plus que l'autre.
Regardez comment l'autre même est là. Ou bien elle attend son tour. Elle attend son tour. C'est pour éviter même ces genres d'histoires là. Que Dieu a même dit. Il est préférable que l'homme marie une seule femme. Il faut quitter ton père et ta mère pour épouser une seule femme. Les deux formeront une seule chair. Maintenant, tu veux former une seule chair avec plusieurs femmes. Comment tu fais pour toi? Ou bien tu veux réécrire la parole de Dieu ou quoi? Regardez même si. Regardez. Cet homme a deux bagues, deux alliances dans son doigt. Un seul doigt pour deux alliances. C'est étonnant. Comme vous le voyez, c'est pas de la blague. Quand il embrasse l'une, l'autre est seul. C'est vraiment étrangissime. C'est vraiment étrangissime. Regardez vous-même. People married two wives. Voilà des gens, voici des gens qui ont marié deux femmes. Vous pouvez peut-être vous dire que c'est juste en Afrique seulement. Mais quand vous voyez ça, vous savez que c'est pas seulement qu'ici. Et que ça devient une histoire de tout le monde. Tout le monde veut marier deux femmes aujourd'hui. Moi, je ne le comprends même pas. Ah! Regardez. Et les deux femmes semblent être heureuses. Elles semblent être heureuses. Bon. Regardez même ici. Le jour de mariage. Ah, franchement, moi. Sincèrement, dire à moi, même si j'aime deux femmes, ce ne serait pas bien. Sinon, je pense que ce ne serait pas normal. À un moment donné, là, que va-t-il se passer? Ici, elles s'entendent bien, hein? Les deux femmes s'entendent très bien. Et apparemment, la famille se porte en merveille. On peut dire que chez nous, c'est le plus important. Serais-tu capable d'aimer tout ça? Et on a l'impression que les deux familles ont accepté la chose, que voilà. Pour eux, pour elle, c'est devenu normal. Regardez. Voilà. Et on peut même voir des enfants aussi qui sont nés. Le monsieur avec sa première femme et ses enfants. Le monsieur encore avec sa deuxième femme et ses deux autres enfants. C'est chic, hein? C'est quand même chic. Qu'en pensez-vous? C'est une courte vidéo que nous devons faire aujourd'hui pour voir juste ce que vous en pensez. Selon la parole de Dieu, l'homme doit marier une seule femme, non? Mais on a vu des personnages de la parole de Dieu qui ont eu même plusieurs femmes. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, il est préférable d'épouser une seule femme. Moi, c'est ce que moi je préfère vous dire. Épouser juste une seule femme. Ah, même pour gérer une femme aujourd'hui, c'est difficile. À tout fois, il doit avoir plusieurs femmes. À un moment donné, même, tu ne sauras même plus même mettre tes pieds. Tu ne sauras même plus même où te positionner. Mais regardez vous-même. Ce n'est pas de la blague, hein. C'est bien réel. C'est pas de la blague. Dites-moi ce que vous en pensez. People who married two wives. This is amazing. This is unbelievable. C'est incroyable. Mais c'est exactement ce que nous sommes en train de vous montrer. Faites vraiment attention. Faites vraiment attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur ce j'aime et partagez-la. N'oubliez pas que là, nous avons deux ou trois autres chaînes. Cliquez sur juste sur un sous-bon sur cette vidéo. Allez sur la page d'accueil et abonnez-vous sur la chaîne de YouTube 3 et vous pouvez vous prochaine vidéo. C'est parti. Waouh, c'est extraordinaire. Mes frères et sœurs, pour ne pas manquer la prochaine vidéo, cliquez sur s'abonner si ce n'est pas encore fait. Et cliquez sur la cloche pour l'activer. Et si vous cliquez sur j'aime, ça nous ferait énormément plaisir. Et tous ceux qui veulent également faire des dons pour nous soutenir, en dessous de cette vidéo, dans la partie description, se trouve toutes les informations qu'il vous faut pour faire des dons. Nous vous recommandons de faire des dons via. Ouais, c'est génial. Waouh! Je suis là.